Alors bonjour, comme vous le savez, hein, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre, enfin un polar, Les poupées d'Alexis Lebsker. Alors après avoir été conquise par son précédent roman, Mangeur d'âmes, j'étais forcément extrêmement curieuse de lire Les poupées. Et je pense que Alexis Lebsker est en passe de devenir l'un de mes auteurs de polar favoris. Alors, c'est un thriller extrêmement bien ficelé, une intrigue passionnante, des pages qui se tournent toutes seules, bref, un rythme effréné, des personnages principaux au top. Nous avons un commissaire, dit le cow-boy, bon, bref, qui fait trembler les murs et ses collègues par la même occasion. Il est rudement efficace par ailleurs, c'est un acharné du boulot. Rien n'échappe à son regard, mais il est aussi capable de bouger ses petites habitudes, et notamment en faisant appel à une psychologue. Bon, 6 cadavres ont été retrouvés dans une chapelle abandonnée, et l'enquête s'annonce extrêmement complexe. Alors, la psychologue s'appelle Mantalo, bon, pourquoi pas, et va vite charmer toute l'équipe, et ce, même notre flic gros ours mal léché de commissaire. Alors, ils sont extrêmement différents, et pourtant, ça va coller entre eux, et ce, pour notre plus grand plaisir. Des échanges emplis d'humour, permettant aussi, par la même occasion, au lecteur de souffler un peu. Alors moi, je les ai vraiment surkiffés, ces inspecteurs, et j'espère que vous y trouverez le même plaisir à cette lecture. Bon, résolument, un bon polar, Les poupées d'Alexis Lebsker, il est en poche, c'est sympa, vous passerez un bon moment pour les amateurs de polar. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture si ce livre vous tente, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation.